C'est l'histoire d'un dessinateur qui entre aujourd'hui au musée, lui qui d'un train a imaginé un personnage mythique et éternel, celui d'un irréductible Gaulois. Comment est-ce qu'on dessine Astérix? Voilà. Bon, bah écoutez, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a que des ronds et des ovales. Alors on commence par un ovale. Ça, c'est quoi? Le nez. C'est le nez. Voilà. Ah tiens, il a un nez rond, lui. Les moustaches, un rond. Alors les ailes sont un peu plus pointues. Hein. Voilà. On peut noircir un peu si on veut, quand on a le temps. Voilà Astérix. Bonsoir Sylvie Uderzo. Bonsoir. La fille d'Albert Uderzo, mais aussi la commissaire de cette exposition Uderzo comme une potion magique qui s'est ouverte aujourd'hui au musée Mayol à Paris. À vos côtés, le chef triplement étoilé Pierre Granière. Grâce à vous, on va enfin pouvoir goûter à cette potion magique. Il était temps. Hein. Il était temps. Comme nous, on n'est pas tombé dedans quand on était petit, on a le droit d'en avoir un peu. Vous avez imaginé une recette de votre composition, une recette 3 étoiles. Merci beaucoup. On la goûtera dans un instant avec l'aide de votre chimiste. Oui, non, ça c'est du gel hydroalcoolique. Sylvie Uderzo, cette exposition, mais aussi ce matin, la une du Parisien, avec le visage de votre père et ce titre, la potion anti-crise. C'est le cas, Astérix, Obélix, cette aventure qui n'a pas pris une ride depuis 1959, c'est une vraie potion anti-crise, anti-morosité. Moi, je pense qu'effectivement, vu les circonstances sanitaires depuis quelques mois, voire une grosse année, j'espère qu'on va pouvoir faire un peu sourire le public qui viendra visiter cette exposition. Astérix est toujours là. Mon père est parti il y a un an, donc avec maman, on s'était dit quand même qu'il fallait lui rendre un hommage digne de ce nom. Et on avait reçu pas mal de courriers dans ce sens-là. Vous demandant une exposition. Nous demandons surtout de lui rendre un hommage et de pouvoir exprimer tout ce qu'ils ont vécu avec lui pendant toutes ces années. Et donc on a imaginé cette exposition. Et on espère que ça fera effectivement sourire les gens. Oui. Ces albums d'Astérix et Obélix, Pierre Gagnère, c'est un remède parfait contre le blues? Absolument. D'abord, nous avions Albert Uderzo comme client. Je crois qu'il aimait bien notre cuisine. Donc, quand on m'a sollicité, mais il y a quelques jours, hein, ça s'est fait en moins d'une semaine. Hein. Et alors, moi, je dois dire que j'ai pu faire ça parce que j'ai des liens très étroits depuis des années avec le chimiste Hervé Tisse. Et la personne qu'on va introduire, effectivement, est issue de ce mouvement d'ingénieurs chimistes qui travaillent sur des molécules qui sont toutes bio et qui sont toutes extrêmement... compatible avec ce qu'on veut faire. Voilà. On garde encore la surprise et le suspense quelques minutes. Avant de revenir sur cette exposition, un peu d'histoire. L'histoire de ce personnage incroyable et de votre père qui est fan des aventures de Mickey, publié quotidiennement dans le journal qu'achète son père. C'est vraiment ça qui va lui donner l'envie d'être dessinateur. Et de cette passion de lecture, il va en faire son métier. En 1951, il rencontre René Goscinny. Qui revient des États-Unis, où il a tenté sa chance, et ils rêvaient d'Amérique ensemble. Tous les deux, oui. Vraiment, c'était la mouvance de l'époque, où il y avait ce rêve américain, avec les films de Walt Disney aussi, qui ont beaucoup généré d'envie chez cette jeune génération de l'époque. Et effectivement, quand ils se sont rencontrés tous les deux, c'était une alchimie déjà au niveau de l'amitié, c'était plus que deux frères. Et puis, ils ont trouvé cette complicité professionnelle. Ils ont trouvé leur voie tous les deux ensemble. En 1959, dans l'urgence, naissent Astérix et Obélix pour le magazine Pilote. René Goscinny, vous êtes l'auteur de quoi, vous ? Moi, je suis l'auteur du texte d'Astérix. Je suis le scénariste d'Astérix le Gaulois. Par conséquent, comme dirait M. de la Palice, Albert Uderzo, vous êtes le dessinateur. C'est-à-dire que je mets en musique. Comment est née cette collaboration ? Astérix est né de la façon suivante. Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants et nous voulions que cette histoire soit originale et surtout très française. On est remonté à travers l'histoire, on a commencé par l'âge préhistorique et ensuite les Gaulois. Et là, Goscinny s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée. On est dans les années 60, la France gaulliste veut se distinguer du reste du monde et ce petit village gaulois dessiné par votre père, c'est aussi le symbole d'un pays qui ne veut pas laisser dicter sa conduite. Et d'ailleurs, le général de Gaulle était fan des aventures d'Astérix. Alors, il paraît
C'est ce qui s'est dit. Maintenant, c'est ce qu'un de ses ministres, François Missoff, raconte. Il a démarré un jour son conseil des ministres en nommant tous ses ministres. Exact, tout à fait exact. Vous avez complètement raison. Un des noms des personnages. Ouais. Et chacun se reconnaissait. Abraham Gontix, ah bah oui, c'est moi. Et il a fait le tour de table du conseil des ministres comme ça. Le succès a-t-il été immédiat? Alors je dirais qu'il a été extrêmement rapide, mais il y a eu quand même, je pense que vraiment le phénomène Astérix a commencé. Je dirais avec le tour de Gaulle, c'était en 1965. Et là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et en plus, ce qui était assez amusant, c'est que c'est dans cet album qu'Idéfix est né, où il est apparu la première fois. Et c'est ça qui était assez amusant. C'était juste un désir de mon père qui a gentiment demandé à René, est-ce que ça t'ennuie si je mets un petit chien à la sortie d'une charcuterie? Et René lui dit, parce que vraiment, tous les deux, ils étaient tellement complices, mais bien sûr, tu fais ce que tu veux. Mets ton petit chien. Mets ton petit chien. Et en fait, le petit chien finit au banquet final. C'est déjà une petite star. Il a son os dans la gueule. On le voit en gros plan. Et à ce moment-là, les lecteurs sont intervenus en disant, mais comment s'appelle ce petit chien? Et les auteurs ne savaient, on ne sait pas. Il y a eu un concours et c'est un des lecteurs du journal Pilote qui a trouvé le nom d'Idéfix. Ouais. Un succès dont s'étonnait encore votre père. On est en 1976. Obélix, c'est le faire-valoir d'Astérix. On nous a souvent dit que les gens préféraient Obélix, peut-être justement à cause de ses défauts. Oui. Peut-être que les gens s'y retrouvent davantage. On ne pensait pas vraiment à l'utiliser comme on l'utilise maintenant. C'était un personnage secondaire qui était amusant en soi, mais on n'a pas vraiment pensé... Vous savez, les personnages ont besoin de vivre un peu pour qu'on les connaisse davantage. Et on ne peut pas d'emblée comme ça leur donner un rôle. En fait, vous ne faites pas de vos personnages tout à fait ce que vous voulez. Absolument pas. Vous savez, les personnages sont vivants et ils réagissent maintenant d'eux-mêmes. Il avait un chouchou entre Astérix et Obélix? Alors, je pense qu'il avait, si je peux parler, un tout petit faible pour Obélix. Mais bon, c'est nous. Comme beaucoup, quand même. Hein. Voilà, exactement. C'est vrai que la rondeur d'Obélix... C'est vrai que... Oui. Un caractère sympathique. Alors, l'univers d'Albert Uderzo, on le retrouve donc dès aujourd'hui au musée Mayol, à Paris. Une vie entière consacrée au dessin. On regarde un reportage de Nelson Chetten et Stéphane Chatour. Là, par exemple, il avait quel âge sur ces dessins-là? Là, il avait une dizaine d'années, parce que c'est le primaire, c'est ses cahiers de sciences, son cahier de poésie. C'est les premiers poissons magiques? C'est les poissons magiques, oui, c'est les arêtes qu'on met après dans la potion pour avoir un peu de goût. Le fameux Oum Papa. J'ai dit le fameux parce qu'au final, je me rends compte que beaucoup de gens aimaient cette bande dessinée. Ça, par exemple, c'est quand il se retrouve en France. Hubert de la Pâte Feuilletée amène son ami Oum Papa rencontrer le roi de France. Et là, on voit le détail des dessins. C'est insensé. Ça, on appelle ça, nous, la marche de l'évolution, en toute simplicité. La première couverture d'Astérix au Gaulois. Ah. C'est vraiment une pièce rare. Est-ce qu'on sait pourquoi Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit? Vous voulez savoir? Ouais. Bien, je vais vous montrer. Bon, ça, c'est le crayonné où on voit la scène mythique d'Obélix qui tombe vraiment dans la marmite quand il était petit. C'est génial, là, c'est Obélix enfant. C'est Obélix enfant et Astérix qui l'aide, parce qu'ils étaient déjà tellement copains, même si Astérix était plus raisonné, qu'il disait mais non, il vaut mieux pas, faut pas y aller. Mais si, mes filles Astérix, on va y aller, parce qu'il parle vraiment en faisant des choses. Il nous dit au revoir. Alors moi je passe tout le temps et je lui fais un petit coucou parce que cette main-là... À part les fessées quelques fois quand j'étais petite, vous avez vu la main? Je courais très vite. Hein. Sylvie Uderzo, est-ce qu'après la disparition brutale de René Goscinny en 1977, votre père a songé à arrêter? Ah oui, vraiment, honnêtement, ça a été... le chagrin étant là, il a dit « je suis incapable de reprendre mon crayon ». Vraiment, il lui a fallu deux bonnes années et les courriers du lecteur en disant « vous n'avez pas le droit de nous abandonner, votre personnage ne vous appartient pas ». Donc il a dit... C'est les fans qui l'ont poussé à reprendre son crayon. Exactement, tout à fait. Mmh. Que pense le chef triplement étoilé des banquets qui finissent traditionnellement chaque album d'Astérix? On y mange beaucoup du sanglier, entre autres. C'est pas hyper léger. Moi, j'ai pas de commentaire à faire. L'histoire est écrite.
Vous savez, il y a encore pas si longtemps que ça, les gens mangeaient beaucoup de viande, mangeaient longtemps. Moi, j'ai, en début de ma carrière, j'ai vu ce qu'on appelle les repas d'affaires qui duraient des heures et des heures. Et les gens souvent repartaient à table et signaient des contrats, faisaient des affaires. Donc, c'était des banquiers, c'était des banquiers. Ah oui, totalement. Cette histoire de ma sœur, elle a 30 ans. Hein. Vous êtes donc aujourd'hui notre druide Panoramix. Oui. Vous aussi, vous avez une recette de potion magique et vous êtes accompagné pour ce faire, vous nous l'avez présenté, de Michael Pontif, qui est chimiste. Ingénieur chimiste et qui va arriver avec tout. Attendez, tout ce qu'il faut pour faire cette potion magique. Attendez. Alors, sur le torchon. Bonsoir, Michael. Moi, j'étais très amusé de travailler sur cette potion avec Pierre, parce qu'en fait, c'est mon métier de tous les jours. Avec ma société Ikemuzu, je développe la cuisine note à note en collaboration avec Hervé Tis, qui est le plus grand chercheur en gastronomie moléculaire au monde. Et donc, en fait, ça reprend un peu tous les concepts que l'on étudie au quotidien. Pour commencer, d'abord, il y a un verre avec un bouillon dedans, important, Pierre. Ah oui, pardon. Ça, c'est le bouillon, c'est la base. Parce que, je pars sous le contrôle de Sylvie, ce village n'était pas très loin de la mer. Oui. La côte n'était pas loin. Donc ça, c'est un bouillon de crustacés, des langoustines, du homard, voilà. Il vient de chez Ordre Alphabétique. Voilà. Le poissonnier, c'est pas très frais. Il ne voudrait pas, alors, oui. En fait, Pierre a travaillé sur le goût pour avoir la philosophie de Panoramix au niveau du goût, forêt, mer. Et moi, j'ai travaillé sur l'expérience sensorielle, parce que je pense que les druides à l'époque faisaient des. Est-ce que vous pouvez mettre le verre pour qu'on le voit mieux? Je vais faire comme devant. Ça. Devant, voilà. Exactement. Donc en fait, on commence par un extrait de gui et de trèfle à quatre feuilles. En fait, le gui et le trèfle à quatre feuilles ont une molécule en commun qui s'appelle le 6-hexénol. Et cette molécule est peut-être celle que Panoramix recherchait. Ah. Ensuite, on ajoute de l'huile de roche. Alors, qu'est-ce que c'est l'huile de roche? Quand on cherche rapidement, on pourrait croire que Panoramix utilisait du pétrole, parce que l'huile de roche, c'est pétrole. Mais je ne pense pas que c'était du pétrole. Non. En fait, si on travaille les roches calcaires d'Armorique d'une certaine manière, on peut extraire une substance qui va rendre le milieu, on appelle ça basique, et faire une couleur un peu bleutée, verte. Bleu vert. Donc je pense que c'est plutôt en travaillant les roches des falaises d'Armorique qu'il a fait ça. Ensuite, Panoramix met un concentré de betterave. Il dit que c'est pour la couleur. Ouais. Et que c'est pour le goût. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute des fraises. Qu'est-ce que c'est les fraises? C'est un fruit qui est très acide. Et moi, j'ai fait un mélange qui reprenne les acides qu'on trouve dans la fraise, c'est-à-dire l'acide citrique et l'acide tartrique. Et quand on met ça... Oh, ça va, ça c'est beau. Ça fait une réaction... avec l'huile de roche, et on obtient la potion magique. Et pour finir, j'ai préparé par distillation un parfum de la forêt des Carnutes, de là où vient Panoramix, c'est-à-dire avec toutes les choses que l'on retrouve dedans, et il suffit juste de mettre un petit coup de parfum pour l'ambiance. Et là, après, on peut aller trouver deux, trois romains. Ouais, là, c'est... Ah, ce serait bien. Là, vous êtes parés pour aller à l'attaque. Allez, Babette. Qui veut goûter? Mais non. Ah, Babette. Goûtez. Il n'y a que Mickaël qui goûte. Ah, vous êtes fait une moustache de potion magique. Ah non, Abdel, arrête avec la potion magique. On vous a préparé déjà des potions magiques. Petite potion. Oh, merci beaucoup. Voilà. Donc, Pierre... Mais non. Merci beaucoup. Est-ce que ça se boit cul sec? Voilà. Oui. Hop. Ah, vous êtes courageuse. Voilà. Qu'est-ce qu'il flotte? Ah, ça pique. J'ai oublié de préciser l'ingrédient secret. Mais qu'est-ce qui flotte dedans? Mais pourquoi j'ai du piment? Des crevettes grises. Oh non, vous avez dit que c'était délicieux. J'ai oublié l'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est de la pipérine, c'est le composé piquant du poivre qui est ajouté pour avoir le punch. Panoramix, il avait la main. Envoyer les Gaulois. Mais on ne sait pas si c'est vraiment la recette de Panoramix. Il faut savoir que les Gaulois, ils avaient besoin de se chauffer avant d'aller. Je suis pas sûr d'avoir envie de tomber dedans, vous voyez. Tu tiens pas dans un petit verre comme ça, Patrick. On est à l'abri. Un chaudron. En tout cas, un village gaulois, mais des héros pour le monde entier. Cette petite phrase tout simple, je l'illustre juste par deux chiffres. 380 millions d'albums vendus à travers le monde. Tintin, c'est 240. Ça donne une petite proportion. Les albums ont été traduits dans 111 langues et dialectes. Chaque nouvel album bénéficie d'un tirage de 5 millions d'exemplaires. Il va falloir faire 5 millions d'exemplaires de la potion magique, dont 2 pour le marché francophone. Et puis, il y a la carrière cinématographique. Je vous propose de retrouver Astérix, Christian Clavier et Obélix, Gérard Depardieu, sur le tournage du premier Astérix signé Claude Zidi.
pas de réalité psychologique dans ces personnages-là. Ils sont dans une forme de caricature. Alors oui, je me sens un Gaulois assiégé par les Romains. Obélix, c'est plutôt le côté naïf, mais pas idiot. C'est un naïf amoureux des choses, et puis qui a peut-être du plaisir énorme pour tout. Et quand il est triste, ben, c'est comme si le ciel lui tombait sur la tête. Et ça, je dois dire que c'est beau, parce que c'est complètement enfantin. Sylvie, votre père aimait bien voir ces personnages au cinéma ? Oui, surtout avec Christian Clavier et particulièrement avec Gérard Depardieu, qui l'appréciait énormément. Il souhaitait vraiment, dès le départ, que ce soit Depardieu qui fasse Obélix. Vraiment. Et quand ils se sont eus au téléphone, tout de suite, Depardieu a dit « Mais bien sûr, Albert, je te suivrai jusqu'au bout. Oh. » Ouais. Mais ce qui est quand même insensé et qui montre que c'est universel et une histoire de fiction dessinée comme on n'en a jamais vu, c'est que 10 ans après, se tourne un film à partir d'une histoire originale avec un autre casting. L'aventure continue pour un nouveau chapitre. Un autre Obélix. C'est insensé. C'est incroyable, j'avoue. C'est vrai. Et en octobre prochain, un 39e album. Mmh. Mmh. Astérix et le Griffon. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Non. Non. Ah oui, c'est le secret le mieux gardé de la terre. Ça donne envie. Mais vous verrez, c'est très... Voilà. Je ne peux rien vous dire, malheureusement. Il faut attendre au mois d'octobre. On l'attend avec impatience. Cette potion magique, je pense que je vais faire des étincelles toute la soirée. Vraiment, il faut aller voir cette magnifique exposition. Ouais. Merci. Uderzo comme une potion magique. On sent votre émotion, chère Sylvie. C'est vrai. À l'évocation. Oui, c'est vrai. C'est encore un peu récent, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais on est tellement heureuse avec maman que ça puisse être. C'est du 27 mai au 30 septembre. Il y a du temps, mais pas trop quand même, au musée Mayol à Paris. Merci, cher Pierre Gagnard, pour cette expérience. Vous n'avez pas goûté, Moi, j'ai goûté 10 fois déjà. Ah oui, oh là là. Vous êtes tombé dedans, quoi, en quelque sorte. Non, mais j'adorais ce moment. Oui. Eh ben, nous aussi, merci beaucoup, de nous avoir fait ce cadeau. Merci à tous les deux. À vous. Vous restez avec nous, d'ailleurs, suis-je bête. C'est lors du 5 sur 5 des Minutes Ringuyennes.